Not today. I don't want this pressure no more. I don't want this pressure no more. Not today. Missy can't keep pressure no more. Missy can't keep pressure no more. I go to sleep and I'm still not fine. Can't afford all the things I have. All the things I got too much bad. I love my family and friends I love. They'll be with me till the very end. Tighten up the rules, they don't let us win. They running the world with evil and sin. Don't let them win. We don't need material things. We just need the right. On ne peut pas ne pas évoquer son nom avant cette rencontre. Sa dernière sortie s'est soldée par une performance exceptionnelle. On va vivre ça ensemble dans un instant. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le Mythique City Ground. Au micro, Omar Da Fonseca et Benjamin Da Silva pour vous commenter ce match face au football anglais et à ce match de Première Ligue Nottingham Forest contre Bournemouth. Quand on aime le football, on est en passion. J'ai déjà envie que ça commence. Vamos! Ça y est, le coup d'envoi est donné. Alors voilà la composition officielle de cette équipe. Et un œil sur la composition de cette formation. Dans le dos de la défense, ça peut être dangereux. Cette offensive n'ira pas plus loin, le ballon est perdu. L'équipe locale qui aborde ce match avec une stat impressionnante, c'est le meilleur bilan offensif de la compétition. On sent que dans l'équipe locale, tout le monde entretient une relation très fructueuse avec le but adverse. Bondarenko. Perte de possession là. Oh, ça peut aller au but. Oh oui, quelle intervention. Et le ballon qui est mis hors de danger. Et oui, si tu arrives à rentrer dans la tête de ton adversaire, c'est gagné. C'est bien tiré par Elanga. Super pressing et la récupération très haute. Goal. Et ce but est un déclic. Il va conditionner la suite. C'est maintenant un autre match qui commence. On revoit sur ces images comment le défenseur est battu sur ce ballon dès le départ de l'action. Et derrière, ça va très vite. Et le bouquet final a consommé sans modération. Ça donne une sensation d'esthétique et de puissance. 1-0 donc au tableau d'affichage. Et on nous signale un but au City of Manchester Stadium. Oui, Benjamin, c'est le premier but. Une grosse opportunité, attention. Encore une opportunité à l'arrêt du gardien, mais ce n'est pas terminé. Voilà, c'est plutôt bien arbitré, l'arbitre laisse l'avantage, le jeu se développer. Ah, ils se font subtiliser le ballon.
Ballon pour Elanga. Très bonne intervention dans la surface. Ah, c'est un bon ballon ça. Et le ballon repoussé dans la zone dangereuse. Et le danger encore présent. Et c'est au fond. Les voilà avec un avantage de 2 buts maintenant. Et ça commence à être plutôt confortable. La beauté la plus grande, c'est la beauté simple, efficace, précise. Ce geste, c'est la beauté de la simplicité, la simplicité de la beauté. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. C'est donc une touche. Et ce ballon-là qui est récupéré. Et toujours la progression dans le camp de l'adversaire. Ah, il y a de l'espace pour la tenter. Et c'est au fond le triplé. Exceptionnel. Quelle grande classe. Quel talent. On le voit, le centre qui part, tout le monde qui regarde et qui lâche son adversaire direct des yeux. La finition est assez simple en réalité. Le ballon est en l'air, mais la défense ne parvient pas à intervenir. Tête et ballon au fond du filet, simple, basique. Ouais, c'est une première mi-temps vraiment spectaculaire. C'est rare de voir une telle maîtrise aussitôt dans le match. La domination est totale. Nous jouerons donc 1 minute de temps additionnel. Le centre est détourné. Et voilà le coup de sifflet de l'arbitre qui siffle à la mi-temps ici. Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période qui est donné à l'instant. Il remporte son duel, bien défendu. Ah, il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Ballon pour Wang Mikyo. Vers ses partenaires dans la surface. C'est dégagé. Très bonne intervention sur ce ballon. Et à l'affiche des matchs à venir, ce rendez-vous de Première Ligue à suivre ensemble, Nottingham Forest à Newcastle. Ce sera l'occasion de voir ces deux équipes quand elles jouent à haute intensité et dans un contexte compétitif très exigeant. Oui, il y a faute, mais l'arbitre laisse l'avantage. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Ah oui, le ballon toujours en sa possession. Le centre vers la surface. Oui, le contrôle et la frappe peut-être. Oh là là, pénalty. L'arbitre qui signale le point de pénalty. Ah, déjà que ça se passait pas très bien dans ce match. Oh, le gros coup dur là pour cette équipe. Après le pénalty, c'est maintenant le rouge. Il n'y a pas pire comme scénario. Mais c'est comme ça, c'est la règle. Si tu ne maîtrises pas ton engagement dans la surface, la sanction est très lourde. Ouais, bien joué, pénalty transformé, très bien exécuté. Ça, c'est joli, on s'attend toujours à un ballon près du poteau dans la lucarne. Mais on oublie que statistiquement, c'est au milieu qu'on a le plus de chances de marquer un pénalty. C'est très bien joué. Et avec ce but, le score est sévère, 4-0. Bondarenko.
signé un but au City of Manchester Stadium. Oui, deuxième but à l'instant pour Manchester City. Un but. Et pourquoi pas ici, une lourde frappe, elle passe très loin alors que le but semblait tout seul. Et voilà, à trop vouloir flamber, on s'y brûle et on finit par manquer l'immanquable. Ah, la défense est battue. Encore une opportunité. Et le score qui s'alourdit encore. Quelle humiliation. On le voit, le centre qui part, tout le monde qui regarde et qui lâche son adversaire direct des yeux. Et pour finir, la conclusion de la tête. Du début à la fin, c'est une action magnifique. Un match très facile, le score est maintenant de 5 buts à 0. Désolé de vous avoir interrompu, les Citizens qui viennent donc de marquer dans cette rencontre, ce qui leur permet maintenant de se détacher de 1. À l'occasion de faire parler sa frappe. Oh, c'est dedans, but! Quelle était dangereuse cette passe! Vous voyez, la passe est vers l'avant, c'est elle qui vient casser les lignes! Et à la fin, le plus difficile, ce n'est pas de la pousser dans le but, mais d'arriver à sentir le coup. Cette démonstration, c'est aussi grâce au travail de leur coach. Il a l'air ravi d'ailleurs. Et le récital en attaque se poursuit, ce nouveau but en est la preuve. La défense est vraiment en souffrance. Omar Richards, coming onto the pitch, number 7, Neco Williams. Et rappelons évidemment ce rendez-vous à venir, ça sera de la Première Ligue à suivre prochainement. Bournemouth affrontera Fulham. Comme ils disent les jeunes maintenant, je suis hypé, c'est ça? Je suis 13. Et oui, ça c'est de l'action. Ah oui, c'est l'exploit. Voilà le deuxième but à son compteur. Rien de tel pour la confiance, rien de tel pour le moral. Et c'est peut-être pas fini. On revoit ce but plein d'opportunisme. C'est tout un art d'être toujours au bon endroit, dans le bon moment. Et un score de plus en plus déséquilibré avec ce nouveau but. Encore 2 minutes seulement à jouer dans le temps réglementaire. Et il prend le dessus sur l'adversaire. Eh oui, bien joué là, le soutien, c'est un ballon récupéré. Il y a une bonne opportunité à jouer là-dessus. Allez, pourquoi pas un tir? Le danger est toujours présent. Et c'est au fond, le triplé exceptionnel. Quelle grande classe, quel talent. Le troisième but pour le hat-trick. Quel match. On le revoit sur ce plan. On a l'impression que tout le réussit depuis le début du match. Et ça y est, on va donc en rester là dans ce match. Et ça se termine avec une victoire à domicile. Toute l'équipe a mis de l'énergie et de l'ambition pour remporter ce match. C'est une victoire largement méritée. Et ce qu'on a vu de sa part aujourd'hui, c'est le ballon repoussé dans la zone dangereuse. Le danger encore présent. Et c'est au fond. Les voilà avec un avantage de 2. Le ballon repoussé dans la zone dangereuse. Le danger encore présent.